Bonjour, nous allons voir comment télécharger Play Store sur son PC portable ou PC de bureau, ce qui nous permettra de télécharger les applications de Play Store. Ceci se fait à partir d'un émulateur qui s'appelle BlueStacks. Donc nous allons aller sur Google Chrome. Donc moi en favori, j'ai ce fameux BlueStacks. Je vous mettrai le lien dans la définition de la vidéo. Donc là, le lien il est ici. Voilà, donc afficher les téléchargements. Le voici, il n'est pas fini. Voilà. On exécute. OK. Donc voici le BlueStacks. Continuer. Suivant. Installer. Et voilà, l'installation est en cours. C'est une installation qui va être un petit peu longue. Donc nous patientons. Voilà, donc là, il va falloir que ça charge. Initialisation. Voilà, donc nous sommes sur la page. Donc là, il y a les différentes applications. Il y a des jeux. Voilà, c'est comme si on était sur un smartphone ou une tablette. Donc après, il suffit d'aller se rechercher. Et entrer l'application qu'on recherche. Par exemple, ça pourrait être un jeu, comment ça s'appelle déjà? Fruit Ninja. FR. Voilà, il est là. Installation unique, veuillez valider ces deux étapes pour continuer. Cela prendra juste une minute. Continuer. Donc là, après, il nous faut un compte. Un compte Google. Donc, nouveau compte. Bon, moi, j'ai un compte. Compte existant. Là, on rentre son compte. Par exemple, Donc, il faut un compte Gmail.com. Puis il se connecte. Connexion. Maintenant, il faut activer les applications parce que après sur le bureau, il y aura deux icônes. Une icône pour lancer BlueStacks et une icône pour où il y aura les applications. À chaque fois qu'on téléchargera une application,
elle se mettra à cet endroit-là. Donc continuer. Play Store. Donc voilà, donc on est comme si on était sur une tablette ou sur un smartphone. Donc j'ai demandé Fruit Ninja. Il suffit d'installer. Donc là il y a l'application. C'est exactement comme si on était sur un smartphone, comme je dis, ou sur une tablette. Donc il suffit d'installer. Accepter. Continuer. Donc maintenant l'application se télécharge. Voilà, c'est terminé. Voilà, installation ouvrir. Et voici le jeu. On va faire un essai. Donc là il y a le logo pour aller sur BlueStacks, et là les applications. Donc à chaque fois qu'on télécharge une application, elle vient s'installer ici. Comme là on vient de prendre Fruit Ninja, ben le voici. Et voilà. Donc après on peut prendre toutes les applications qu'on veut. Voilà, c'est exactement comme si on était sur une tablette ou un smartphone, sauf là on est sur le PC portable ou PC de bureau. Voilà, très bien. Je vous remercie.